soir, on va faire la découverte d'un nouveau projet qui mélange le reggae, le funk, le soul, le hip-hop, la chanson, avec un répertoire de compositions. Et ce groupe s'appelle Djali. Je vais laisser le chef d'orchestre choisir la prononciation. Et dans cette émission, on va recevoir ce groupe avec le chef d'orchestre de ce groupe, Alexandre Joly, ainsi que Thierry Loré, son homme de l'ombre. Et je vais les laisser se présenter. Comment ça va, les gars? Alexandre, comment ça va? Bonjour Julie, ça va et toi? Ça va. Alors, Djali, est-ce que c'est... On dit Djali ou Djali déjà pour... Je préfère si on dit Djali, mais après chacun va dire comme il veut. Djali. J'ai pris pour habitude de dire Djali parce que le J en langue française se prononce J. Donc okay. Voilà. Et alors, c'est un projet donc avec batterie, maintenant vous êtes deux musiciens, mais il y a un batteur, il y a un bassiste, guitare, clavier, chant. Ça existe, un projet que tu as débuté à l'été 2015, que tu as pensé mais là en ce moment tu es sur le pied de guerre, pardonne-moi l'expression, pour la sortie d'un premier EP, Bouffée d'Oxygène. Ce premier EP, quand on nomme, c'est un disque de cette manière, il y a un petit côté thérapie. Je pense que c'est un album qui fait du bien à l'écoute, en tout cas toi aussi peut-être que quand tu l'as composé, tu as été dans cette logique là de un album aussi où tu avais besoin de sortir des choses tout simplement. Effectivement. C'est tout à fait le cas. Il est aussi ma bouffée d'oxygène. Bon, le titre de l'EP vient principalement de la chanson qui s'appelle Oxygène, dans lequel il est dit ces mots-là. Et il me paraissait le plus judicieux de pouvoir appeler cette EP bouffée d'oxygène, dans le sens où il est pour moi une bouffée d'oxygène et je souhaite qu'il le soit pour l'auditeur aussi. Ah, c'est en tout cas super, c'est... C'est un EP à plusieurs titres, dont la chanson Oxygène, donc dédiée à l'oxygène. Tu mélanges plusieurs styles, le reggae, la funk, la soul, hip-hop, la chanson. Et toi, pour revenir à ton parcours, comment tu as découvert un petit peu la musique? Parce qu'il y a une chanson qui s'appelle « Être artiste » où il parle justement de ça, ça ne peut s'inventer, qu'on doit persister, ça permet de se sentir exister. L'artiste, comme tu le dis, c'est celui qui imagine, que son art illumine. Et quoi, c'est quand que tu t'es senti artiste pour la première fois, que tu as un jour dans ta vie, tu as dit bah, c'est quand je vais créer, que faire la musique, que je vais pouvoir m'épanouir? C'est quand que tu as eu ce petit déclic? Si on veut remonter à il y a fort longtemps, en fait, le projet que je mène actuellement est un projet qui me tient à cœur, auquel je pense depuis nombre d'années. Avec Thierry ici présent, on y travaille depuis 4 à 5 ans pour la composition des titres principalement. À ce jour, on a 20 compositions créées, finies via l'outil MAO, l'outil de musique assistée par ordinateur. Il a commencé effectivement à mûrir dans ma tête il y a fort longtemps, comme je disais. Il s'est matérialisé il y a 4 ou 5 ans et puis il s'est matérialisé sous forme de groupe. En ce qu'on appelle maintenant en musique actuelle, basse, guitare, batterie, clavier, chant, et puis quelques invités aussi en plus. Il y a donc en juillet 2015, comme tu le disais tout à l'heure. Maintenant, d'où me vient ce déclic? Il n'y a pas eu vraiment de déclic puisque c'est quelque chose qui a pris le temps de mûrir au fil des années. Et un jour, je me suis dit, bon ben voilà, maintenant c'est le temps de le faire quoi. J'ai l'expérience, j'ai la compétence, j'ai les idées, j'ai les morceaux, j'ai quelqu'un qui peut m'accompagner pour la création des morceaux puisque Thierry ici présent est multi-instrumentiste, donc ça facilite quand même beaucoup les enregistrements. Pour faire les maquettes à destination des musiciens et autres. Voilà, en gros, ça fait un moment que ça mûrit. Oui, et parce que toi, tu parles de ton expérience, mais ton premier instrument, c'est aussi la percussion. Tu enseignes les percussions, c'est bien oui. Ça. Alors, si on veut voir, en dehors de mon activité d'auteur, compositeur, interprète, je suis effectivement intervenant musical, professeur spécialisé en percussion dans une école de musique, qui est d'ailleurs l'école qui porte le projet Djali dans le cadre de ce qu'on va pouvoir parler tout à l'heure dans le cadre de notre date au Bar de Lui le 7 juin.
Et j'ai commencé, moi, la musique avec les percussions. Ma formation musicale, je l'ai fait principalement en Afrique, dès le début des années 2000, où j'ai étudié beaucoup tout ce qui est percussion africaine. Ensuite, je me suis ouvert aux percussions latines, aux percussions brésiliennes, aux percussions du monde, percussions diverses, variées, percussions corporelles, etc., etc. J'ai eu une grande expérience dans le domaine de l'intervention musicale auprès de différents publics, enfants, adultes, adolescents, public handicapé, etc. Un gros rôle de transmission. Oui. On peut dire, le début de ta carrière, tu as d'abord transmis avant de vouloir peut-être toi aussi te concentrer sur ton propre projet. Ou pour toi, je pense qu'il faut déjà peut-être avoir un peu roulé sa bosse avant de pouvoir sortir ça. Enfin, tu as bien réfléchi, je pense. Bon, j'ai d'abord appris pour moi-même. Mmh. J'ai eu à travailler avec beaucoup de groupes différents, dans beaucoup de cultures musicales différentes aussi. Oui, en Afrique, c'était dans quel cadre, du coup, comment tu t'es formé exactement ? Alors, je prends mon billet d'avion, je prends mon sac à dos, et vaille qui vaille. Et tu vas rencontrer les gens là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Et après, j'ai travaillé soit avec des particuliers sur place, des personnes avec qui je prenais des cours chaque matin de la semaine, ou alors dans des écoles de musique dédiées à la percussion africaine et au balafon et au chant. À nos amis, c'est un peu une dédicace justement à toutes les personnes que j'ai pu connaître dans mes différents voyages. Que ça soit en Afrique, en Europe de l'Est, en Europe tout entière. C'est un peu un petit clin d'œil aux copains et aux copines, on va dire ça comme ça. Eh bien, c'est parti, on écoute à nos amis sur les ondes de Radio Campus. Afrique, d'Europe ou de l'Asie, des Amériques ou encore de l'Océanie. Que l'on prenne l'avion, le train ou le taxi, d'un continent de l'un à l'autre de ces pays. C'est les mêmes veines où coule le grain de notre vie. On nous attend tous et tous au même paradis. Pourtant il est ici sur terre, et l'homme qui déterre ce mystère n'a que faire de s'en faire du dur comme fer. Des amis on en a dans le monde entier, des amis dont grandit le don dans la. Et des amis qui t'aiment, sur qui tu peux compter, sont des amis à qui du bien il faut souhaiter. Et des amis sincères dans l'amicalité, sont des amis que l'on salue par amitié. Amicalement, 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 pour certains sommes les plus aimants. Pour nos amis, pour nos amis, pour tous nos amis, d'ailleurs et d'ici aussi, d'ailleurs à tous nos amis, d'ailleurs d'ici, et ce d'ailleurs aussi. À nos amis et nos amis Djali qui sont ici présents dans les studios de Radio Campus pour cette nouvelle émission de Nueva Sondas. En tout cas, c'est très agréable à écouter. On imagine en live, toi qui as beaucoup, je sais, beaucoup d'énergie, que tu te donnes beaucoup. D'ailleurs, comme tu dis souvent dans une de tes chansons, c'est la communication, c'est l'écoute. Toi, tu en sais quelque chose. Donc, si vous voulez trouver beaucoup d'informations sur Djali, il y a déjà un site internet, djalimusique.fr, JALYMUSIC.fr. Tu as aussi une page Facebook où voilà, tu relais toutes les informations. Le site est très complet. Hein. Il y a un petit peu tout et beaucoup aussi de vidéos et de photos déjà que tu as pu collecter. D'ailleurs, j'aime beaucoup dans une des vidéos, tu commences, c'est lors d'un concert, tu commences le concert par un appel au public. Donc ça, c'est assez classique. Mais tu dis, n'hésitez pas, ce que ça démange, de venir devant. Et de toute façon, si vous venez pas, c'est nous qui viendrons vous
cherchez. Oui. Cette petite phrase, c'est ça aussi tout le pouvoir d'un artiste en live. C'est de, ben, le public, des fois, il est frileux, il ne connaît pas, et c'est de réussir à l'emporter et à le gagner. On sait qu'à un moment, quand il a commencé à bouger ses fesses ou autre, c'est que peut-être là, il a commencé à comprendre la musique. Et c'est toute la difficulté, je pense, en live, de, quand on lance un nouveau projet, d'essayer de capter le public, oui, le faire se réveiller, ce qui, des fois, un public n'est pas forcément toujours facile. Il y a des publics plus faciles que d'autres, mais... Les gens n'ont pas toujours le rythme dans la peau, ils ne répondent pas toujours à la musique. C'est un fait. Mais si tu veux, par rapport à mon activité d'intervenant, oui, musical, de professeur, en plus dans les percussions, j'ai eu souvent à gérer le collectif. Mm-hmm. Je crois que c'est quelque chose que je sais suffisamment bien faire pour pouvoir arriver à capter l'attention du public. Et ouais, du coup, en y mettant aussi l'intention, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font grâce à ça. Ok, avant de se quitter, un dernier mot pour la suite, hein, de Djali. Comment tu vois la suite, toi ? Comment je vois la suite ? Alors là, tu me... Dieu seul le sait. Ouais. Bah, disons que c'est un projet qui me tient relativement à cœur, sur lequel je travaille énormément. Je fais pas mal de tout ce qui est booking, management, ouais, communication, de tout, là, ouais, relations presse, organisation des répétitions, développement du projet dans son ensemble. Ouais, aujourd'hui, il faut être opérationnel et polyvalent. Bah oui, ouais, c'est vrai. Ou alors d'avoir quelqu'un qui peut jouer différents rôles. Mais mmh, voilà, quand on développe un projet, ouais, comme celui-ci, y a deux solutions. Soit on fait rien et il part aux oubliettes, soit on se bouge et puis on tâche faire ouais, en sorte on tente sa chance, ouais, que le projet en lui-même fasse parler de lui. Bon, on va écouter Sam Bossa et on va encore vous remercier. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur les ondes de Nova Sondas et de Radio Campus Besançon. Ben, merci beaucoup Julie, et merci Nueva Sondas, merci à Radio Campus pour l'accueil, merci à toutes et tous. Alors, elle s'émerveille, la vie est à prédire sous le soleil.